Lors de la métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. L'anomalie a lieu lors de l'anaphase numéro 1. Lorsque les chromosomes vont se séparer, trois vont aller dans la cellule du haut et un seul dans la cellule du bas. Les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Lors de l'anaphase, les chromosomes se séparent, puis en télophase, quatre cellules apparaissent. Deux cellules possèdent la trisomie et deux autres la monosomie. Lors de la métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Lors de l'anaphase, les chromosomes se séparent, puis en télophase, deux cellules apparaissent. Lors de la métaphase, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. L'anomalie a lieu lors de l'anaphase numéro 2. Trois chromatides vont aller dans une cellule, tandis qu'un seul dans une autre. En télophase, les cellules se divisent pour laisser place à quatre cellules. Deux seront saines